Salut à tous, c'est AppleFox et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage d'un smartphone encore une fois. Il s'agit du Samsung Galaxy S4. Donc on va tout de suite commencer par la boîte. Donc sur le côté il y a Samsung Galaxy S4 ainsi que sur le dessus. Là on a des infos, ici on a les infos de l'écologie, car sur ce smartphone Samsung a voulu privilégier l'écologie. Là rien, et là derrière des specs sur le Galaxy S4, et c'est un 16 Go, donc il est de couleur noire aussi. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Hop, là on a le magnifique Galaxy S4, hop, on va y revenir après. Donc ensuite en dessous on a des papiers concernant le téléphone, le guide d'utilisation en papier recyclé. Ensuite on a un câble micro USB, ça aussi c'est en papier recyclé. On a les écouteurs intra-auriculaires de chez Samsung et l'adaptateur secteur aussi de chez Samsung, hein, ça me semble logique. Donc voilà à peu près ce qu'il y avait dans la boîte. Maintenant on va revenir au smartphone en lui-même. Donc voilà. Hop, on va nettoyer un peu l'écran. Donc il est franchement magnifique avec un écran de 5 pouces. On va faire le tour du propriétaire. Donc là on a le bouton home. Hop, petit focus, donc il y a de la poussière. Hein. Je vous cache pas, je l'ai déjà déballé avant. Ça fait 3 fois que je fais cette vidéo. Là on a les boutons de volume. Ici on a la prise jack. Hop, la prise jack, fais le focus. Donc là on a un micro et la diode la diode infrarouge, car il sert de télécommande universelle. Ici on a le bouton power. En dessous on a le port micro USB, un autre micro. Et la plaque arrière peut s'enlever, car la batterie de base n'est pas mise dans le téléphone directement. Ben, je vais juste vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Donc, alors on a une batterie, donc la batterie Samsung, elle est de 2600 mAh. On a le port micro SD jusqu'à 64 Go, je crois, et la carte SIM. Donc, ce qui est plus banal dans un smartphone. Hop, on referme tout. Tout bien, clic-clac. Clac-clic. Hop. Et l'appareil photo est un 13 mégapixels et un flash. Et là, c'est l'enceinte. Les caméras avant de 2 mégapixels et le logo Samsung. Il est prendre une caméra pour Smart Scroll. Les nouveautés du Galaxy S4. Donc juste faire vite fait la comparaison avec un Galaxy S1. Donc ça c'est le Galaxy S1 et lui c'est le Galaxy S4. Donc je n'ai pas de modèle plus récent à comparer avec le Galaxy S4, par exemple le S3. Donc on peut voir carrément que la taille change complètement. Le Samsung Galaxy S1 avait un logo Google derrière, alors que le Galaxy S4 ne l'a plus. Le S1, il me semble que c'est un écran de 4 pouces, mais je ne suis pas sûre, avec des boutons menu, options et retour qui sont affichés constamment, alors que sur le S4, ils s'affichent, ils ne sont pas affichés en permanence. Et c'est sûr que on les sent les 3 générations différentes, car le S1 était un seul cœur, 1 GHz. Et le S4 est un quad-cœur 1,9 GHz, donc forcément on la sent un peu la différence. Donc voilà, c'était AppleFox pour vous présenter l'unboxing du Samsung Galaxy S4 noir, 16 Go. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime, et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, salut à tous. Papa, où t'es, papa, où t'es, papa, où t'es.